Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était bien connu du grand prêtre. Il put donc entrer avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors, près de la porte. Alors, l'autre disciple ressortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? Non, je ne le suis pas. Il faisait froid, donc les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu autour duquel ils se réchauffaient. Pierre s'en était approché et se tenait avec eux, lui aussi se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus répondit : J'ai toujours parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les gens se rassemblaient. Je n'ai jamais rien dit en secret. Pourquoi alors m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et demande-leur ce que je leur ai dit. Ils savent ce que j'ai dit. Comment oses-tu parler de la sorte au grand prêtre ? Si j'ai dit quelque chose de mal, dis à tout le monde ici ce que c'était. Mais si tout ce que j'ai dit était juste, pourquoi me frappes-tu ? Alors Anne l'envoya, toujours ligotée, à Caïphe le grand prêtre. Pendant ce temps, Pierre était toujours là, occupé à se réchauffer. Les autres lui demandèrent : N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? Non, je ne le suis pas. Mais Pierre le nia vivement. Un des serviteurs du grand prêtre, de la même famille que celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin ? Non. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Tôt le matin, on emmena Jésus de la maison de Caïphe au palais du gouverneur romain. Mais les autorités juives n'entrèrent pas dans le palais afin de respecter leur rituel de purification nécessaire pour manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : Et de quoi accusez-vous cet homme ? Nous ne serions pas venus te le livrer s'il n'avait pas commis un crime. Alors prenez-le vous-même et jugez-le selon votre propre loi. Nous n'avons pas le droit de condamner quelqu'un à mort. Ainsi, la parole de Jésus, lorsqu'il avait indiqué de quelle mort il allait mourir, était en train de se réaliser. Pilate rentra dans le palais et fit venir Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Cette question vient-elle de toi ? Ou d'autres t'ont-ils dit ça de moi ? Tu penses que moi, je suis juif ? C'est ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, alors mes serviteurs se battraient pour empêcher que je sois livré aux autorités juives. Non. Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu es donc un roi. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et venu dans ce monde, c'est dans un seul but : rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Et qu'est-ce que la vérité ?
Après cela, Pilate retourna voir les gens au dehors et leur déclara : Je ne trouve aucune raison pour le condamner. Mais... En accord avec votre coutume, je vous libère toujours un prisonnier pendant la fête de Pâques. Voulez-vous que je libère pour vous le roi des Juifs ? Ils lui répondèrent en criant : Non, pas lui ! Donnez-nous Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Or, Barabbas était un brigand. Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Barabbas ! Alors Pilate emmena Jésus et lui fit donner le fouet. Les soldats tressèrent une couronne faite de branches épineuses et la posèrent sur sa tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre et s'approchant de lui, ils lui dirent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnèrent des gifles. Pilate ressortit et s'adressa de nouveau à la foule. Écoutez, je vais vous amener cet homme ici dehors, afin que vous compreniez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Regardez, voici l'homme. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! La mort ! La mort ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Oui, c'est bien. Alors prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve aucune raison pour condamner cet homme. Nous avons nos lois, et selon elles, il doit mourir, parce qu'il a prétendu être fils de Dieu. Quand Pilate entendit cela, il prit encore plus peur. Il retourna dans le palais et demanda à Jésus : D'où est-ce que tu viens ? Mais Jésus ne répondit pas. Tu ne veux pas me parler ? N'oublie pas. J'ai tout le pouvoir qu'il faut pour te libérer. Mais également te faire crucifier. Si tu as ce pouvoir sur moi, c'est parce que Dieu a bien voulu te le donner. Celui qui a péché en me livrant à toi est bien plus coupable que toi. Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate chercha le moyen de relâcher Jésus. Si jamais tu le relâches, ça signifiera que tu n'es pas l'ami de César. Et quiconque ose prétendre être un roi se déclare alors être l'ennemi de César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé Place Pavée, en hébreu Gabata.
C'était la veille de la fête de Pâques, et il était presque midi. Pilate s'adressa à la foule. Voici votre roi. Tuez-le. Crucifiez-le. Crucifiez-le. À mort, crucifiez-le. Crucifiez-le. Vous voulez que je crucifie votre roi ? Nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Alors Pilate leur livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Il dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et marcher jusqu'à un endroit appelé le lieu du crâne, Golgotha en hébreu. C'est là qu'il fut crucifié. Et ils crucifièrent aussi deux autres hommes, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit faire un écriteau qu'il fit poser sur la croix. Dessus, il y avait écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Beaucoup de gens le lirent, parce que l'endroit où Jésus avait été mis en croix se trouvait près de la ville. Et l'inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres dirent à Pilate : « Plutôt que roi des Juifs, tu devrais écrire à la place. » « Cet homme a dit : « Je suis le roi des Juifs. » Ce que j'ai écrit restera écrit. Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, tissée d'une seule pièce et sans couture. Entre eux, les soldats se dirent : « Ne la déchirons pas, mais jouons-la au dé pour savoir qui la gardera. » Voici donc qu'allait se réaliser cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. » Et c'est ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, ainsi que Marie de Magdala. Jésus vit sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Voici ton fils. Puis il dit au disciple : voilà ta mère. Et dès cet instant, le disciple la prit et l'emmena vivre chez lui. Ainsi, à présent, Jésus savait que tout avait été accompli. Et afin que l'Écriture se réalise, il dit : j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre.
Alors une éponge fut trempée dans ce vinaigre, fixée à une branche d'hysope, et portée jusqu'à ses lèvres. Jésus but le vinaigre. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Les autorités juives demandèrent à Pilate l'autorisation pour qu'on brise les jambes de ceux qui avaient été crucifiés et qu'on descende leur corps des croix. Ils firent cette requête car c'était un vendredi. Et ils ne voulaient pas que les corps restent sur la croix pendant le sabbat. D'autant que ce sabbat-là était particulièrement important. Alors les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier supplicié, puis celles du second des deux hommes qui avaient été crucifiés avec Jésus. Puis vint le tour de Jésus. Ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le flanc avec une lance. Et du sang et de l'eau en sortirent aussitôt. L'homme qui a été témoin de ces faits les a racontés afin que vous puissiez croire aussi. Son témoignage est vrai, et il sait, lui, qu'il dit la vérité. Cela s'est passé de sorte que soit réalisé ce passage de l'Écriture, « Aucun os ne lui sera brisé ». Il y en a d'ailleurs un autre qui dit « Ils le regarderont, lui, qu'ils ont transporté.